Je m'appelle Karine Fréchette, je suis artiste peintre et je vis et travaille à Montréal. Je dirais que dans la dernière année, j'ai développé une fixation à peindre des distorsions. Donc, je travaillais pas mal sur Photoshop à faire des sketchs numériques pour commencer mes tableaux. Et à un certain point, je me suis demandé d'un côté si la distorsion ou si je pouvais faire une distorsion du corps pour pouvoir suivre la composition du tableau. Je décide de faire des shapes Canva, donc des formes qui sont elles-mêmes distordues, des formats irréguliers, donc une courbe par exemple, un cercle. Et d'autre part, je me suis questionnée aussi pourquoi je n'utiliserais pas des objets optiques analogues pour créer mes distorsions. Donc j'utilise des lentilles comme une boule de cristal, des miroirs déformants. J'en suis venue à des sketchs numériques de mes photos prises avec des objets optiques pour m'aider à commencer ces tableaux-là. Puis du même coup, vu que je n'avais pas à travailler ma composition sur le tableau, je pouvais vraiment me concentrer sur la couleur. L'exposition m'a encouragée à enfin réaliser Structure solaire 8. Je crois que ça fait à peu près 3 ans que je voulais la faire, mais c'est quand même complexe à construire comme structure. C'est une structure en bois derrière la toile que j'ai assemblée. Donc, comment je procède, c'est que je peins la toile directement au mur, à graffer. Et ensuite, je colle la toile sur la structure. Mon intention était de créer un objet pictural, limite architectural, qui joue optiquement avec le déplacement, donc qui se transforme dépendamment du mouvement du spectateur. Trouve impliqué. Donc, je trouve aussi que c'était parfait dans le contexte de l'espace de la Fondation. Je crois que je peux reconnaître une continuité du travail de Molinari et des plasticiens, une influence dans mon travail, dans le sens que je suis vraiment intéressée par une expérience optique, physique, frontale de la peinture. En général, quand je ne suis pas en train de faire des shapes Canva, j'ai une prédilection pour les tableaux grand format. Donc, l'expérience immersive de la couleur, de la peinture que Molinari a affirmé toute sa vie.